La fusion entre les Pétillantes et le traditionnel forum des associations a donné naissance à l'Assautillante ce samedi 9 septembre. Pour sa première édition, une centaine d'associations villepintoises étaient présentes pour accueillir les adhérents et profiter de la fête. L'ambiance a été sympathique, la musique ça donne un côté festif à l'ensemble. Je sais qu'un certain nombre d'associations ont apprécié justement cette nouvelle formule. Et comme toute première, quelques ajustements sont encore nécessaires, surtout quand on lit deux événements jusque-là bien différents. Cette fête de l'été n'était plus aussi fréquentée, elle s'essoufflait. Il fallait donc trouver un nouveau principe. On essaie celui-ci. C'est vrai que le principe du forum des associations est ressorti très nettement cette fois-ci. Il faudra effectivement travailler pour intégrer l'ensemble des activités. Les enfants, eux, n'ont pas vu la différence. Ils en ont profité tout autant. C'était bien. On a eu un défilé. Les activités étaient super, notamment le château gonflable, la peinture. J'ai mangé. Et puis un certain nombre d'activités de jeux, notamment proposées par le service jeunesse, le service enfance, ont permis aux jeunes qui venaient s'inscrire et à leurs parents de faire l'ensemble, le tour de l'ensemble des stands. Donc je pense que la formule est bonne. Il suffit de l'améliorer pour qu'elle soit parfaite l'année prochaine. La prochaine édition de l'Assautillante s'annonce d'ores et déjà plus surprenante.